Ouais, bah tu peux le voir qu'il Ah, t'es a là. enceinte. Oh, d'accord. Là, on attend Ah, un ouais. bébé, tu vois. Donnez, tu Si vois. t'as pas un numéro de téléphone, on peut se contacter. J'aime beaucoup les gens gentils comme toi. Ah. Non, mais c'est pas mon homme, c'était. Je l'appelle mon mari, mais c'est pas mon mari, c'est plan cul. Yo YouTube, c'est Mixa, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo l'équipe. Je suis avec l'idéal, le complice de cette vidéo. De ouf. Une très très grosse vidéo, donc dans cette vidéo en fait j'ai piégé une michetonneuse. Mais c'est pas une simple michetonneuse, c'est une michetonneuse enceinte. Et en plus de ça du coup je l'ai piégé avec des faux billets. Donc voilà, c'est vraiment des faux billets qu'il y a dans la vidéo. J'ai commandé des faux billets. Moi je te demandais le loyer. Du coup l'idéal lui jouait le rôle un peu du SDF qui avait pas trop d'argent, qui vient un peu gratter du coup une cigarette, top, ouais. 1 ou 2 euros. Moi je te rince bien quand même niveau argent, je te mets bien. Ouais, de ouf. Forcément c'est des faux billets, ça aurait été des vrais, je t'aurais rien donné. Non mais voilà, du coup il fait un petit peu tout ça. Du coup la michetonneuse ben, elle est tombée dans le panneau directement. Et en plus de ça elle était enceinte. Donc franchement chapeau l'artiste, ça mérite des pouces bleus. Voilà, ça mérite un maximum de pouces bleus l'équipe. Sur ce je vais vous laisser avec la vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne et à la chaîne de l'idéal. Merci. Nos réseaux sociaux sont dans la description ainsi que les chaînes. Et puis sur ce, bonne vidéo l'équipe, peace. Salut. Ouais, excuse moi je viens te voir parce que j'étais là bas. Je te voyais, t'étais tout seul tu vois. Donc Je viens te voir, savoir si voilà, t'es toute seule, ce que tu faisais, si ça te dérangeait que je reste un peu avec toi. Non, en fait, j'attends mon mari. Ah, t'attends ton mari? Ouais, j'attends mon mari. Ouais. Donc t'as quelqu'un dans ta vie? Ouais, bah tu peux le voir. Ah, t'es enceinte, là. D'accord. Là, on attend un bébé, tu vois. Ah oui, d'accord. Ah oui, t'es enceinte, j'avais pas vu. Peut-être. Combien de mois sans indiscrétion? Je sais pas si je te dérange, tu me le dis, mais... Bah là, ça fait 7 mois, mais en fait, voilà, je comprends pas pourquoi tu viens me parler, tu vois, je suis déjà pris. Ah d'accord, ouais, non mais parce que je te trouvais un peu charmante, tu vois, j'étais là-bas, je te regardais, j'ai vu que t'étais toute seule, je me suis dit bon, bah... Ouais, mais non, moi je t'ai pas remarqué du tout. Ah non. Donc je pas... Franchement, t'es pas du tout mon style, je vais pas te mentir, hein. Ah, désolé, excuse-moi vraiment, mais c'est parce que moi... Ah, tu me plaisais. Excusez, mais moi tu me plais pas. Tu me plaisais, bon après, voilà, je suis désolé, j'ai vu... Je savais pas que t'étais enceinte. Après, on prend pas mal, hein. Juste, voilà, tu me plais pas. Ouais, non, mais oui, non, mais y a pas de soucis, Mais après, voilà, c'est parce que moi je préférais te le dire vu que t'étais. T'es une fille, t'es une fille. Excusez-moi. Ah, d'accord. Vous serez pas une clope, s'il vous plaît. Une quoi? Une clope, ah, non. Ah, ouais, si, tiens. T'as sûr, mon gars? Tiens. T'as du fumé là? T'as du feu aussi? Tu as du feu? Ouais. Tiens. Oh, tu peux fumer, s'il te plaît, loin plus. Ouais, par contre, s'il te plaît. Si vous avez pas. Le briquet, gros, par contre. Vous avez pas un euro ou quoi? S'il te plaît, je t'en dépanne pour le bus. Pour le bus? Ouais. T'as pas un euro, toi? Non, vas-y, c'est bon. T'as pas un euro? Venez, je te donne, t'inquiète. Ah ouais, mon gars. Charbonne, toi, non? Non, c'est le travail, ça, mon gars. T'es dans quoi? C'est le travail, t'inquiète pas. Tu sais quoi, on va faire mieux. T'es un peu en galère, tiens, regarde. Prends ça. Passe une bonne nuit d'hôtel, prends une bonne douche, sûr, tu te fais plaisir, c'est bon, pas, c'est sûr. Bon merci. Allez, t'inquiète, ça merci. Fait plaisir, merci, ça fait plaisir, journée. T'inquiète pas. Allez, merci de rien, t'inquiète, pas de soucis. Wow. C'est quoi ça? De quoi ça? Mais comment ça se fait que t'as autant d'argent? De quoi, l'argent là? Ouais. Bah c'est le travail, hein, tu sais. Mais bon, après voilà, bon c'est pas le sujet, mais bon, bon je vais te laisser moi du coup. Non mais tu peux rester, là. Je viens d'être choqué, franchement ça m'a grave ému là, t'es grave gentil avec les gens. Ah oui, oui, bah moi tout le temps. Faut toujours demander, je demande, ouais. Quoi, t'aides pas les gens, toi? Si, moi j'aide les gens. Ah oui, bah il faut toujours aider les gens, tu sais. Je t'aide toujours plaisir. T'es super gentil, en vrai. Oui, oui, toujours. Moi, toujours, dès que je vois une personne dans le besoin, toujours, faut toujours... Donner, tu vois. Si t'as pas un numéro de téléphone, on peut se contacter. J'aime beaucoup les gens gentils comme toi. Ah, tu veux mon numéro de téléphone, du coup? Ouais. Ah, t'es... Donc maintenant, tu veux mon numéro de téléphone alors que tout à l'heure, tu ne voulais pas? Bah en fait, tout à l'heure, voilà, comme c'est dit, je suis un peu enceinte, donc du coup, j'ai les humeurs qui changent un petit peu. Ah ouais, ouais, je comprends, c'est normal. Je suis un peu énervée, en plus, mon mari, justement, il m'a dit, ouais, j'aurais une minute de retard, enfin, pas une minute, une heure, tu vois. Ah oui, une heure. Ah, carrément. Ça m'a énervée. Ensuite, je vais aller voir sa pétasse, ça m'énerve, je te jure. Ah ouais, bah ça, après, ça, on peut pas savoir. Parfait, un gosse. Oh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu tapes? Arrête, qu'est-ce que tu fais? Je déteste, moi, je l'ai pas voulu, cet enfant. Je l'ai pas voulu. Attends. Pas... Ah ouais, d'accord. Donc, c'est lui, c'est ce fils de... Je te jure. Et là, il va voir d'autres meufs et tout. Ouais, non, mais faut pas... Tape pas sur ton ventre, c'est dangereux. Enfin, c'est dangereux. C'est quand même ton enfant, tu vois. Je sais pas. Ouais, mais c'est quand même dangereux, pas, non en fait. Je le veux pas, en fait. Ah, tu veux pas ton enfant? Non, je le veux pas. Pourquoi t'as pas avorté? Je sais pas. Non, j'ai pas envie d'avorter, mais je le veux pas. Ah, d'accord, ok. L'avortement, ça se fait pas. Ouais. C'est pas mon gosse. Ah ok, bon ben, écoute. Du coup, tu fais quoi comme travail? Moi, ouais, non, ça c'est mon travail, c'est mon business que j'ai à côté, c'est mon travail. C'est du travail, c'est du travail, c'est du business sur internet. Ouais. Mais c'est vraiment c'est du travail, hein, c'est pas pas de la drogue ou quoi que ce soit. C'est ça, d'accord, et sans indiscrétion, tu te fais combien par mois? À part moi? Ouais. Ouais, ça varie, ça varie énormément, c'est entre 20 et 30 000, ça dépend des mois, mais ouais. En général.
Ouais, bah après c'est beaucoup, c'est du travail, hein, vraiment. Je me suis acharné pour gagner tout cet argent. Et tu as donné combien là? Je sais pas, je crois 80, 70, 80, je sais plus exactement. Ah, mais t'es trop gentil. Ouais, bah après c'est, il faut donner, tu vois. J'ai la possibilité de le faire, donc je le fais, tu vois. Donc, voilà. Moi, je vais pas te mentir là. J'ai un petit peu faim, je sais pas si tu veux m'inviter à manger. Ah, tu veux que je t'invite à manger là? Ouais, gros. Ouais. Je t'avais pas mal d'argent, et tout. Ouais. Et moi, tu me dépannes pour un loyer, mon gars, je suis trop en galère. Je... Alors, loyer, carrément, loyer, tu veux. Ouais, c'est combien ton loyer? Au pire, je prends ton numéro de téléphone et je te rembourse dès que j'ai l'argent. Non, c'est bon, t'inquiète. T'es sûr? C'est combien ton loyer? 500. 500? Oui. Ok. Ça fait plaisir. Tiens. Et quand t'as masse de sous comme ça, mon 300, gars? 400. Hein? Tiens. Sans doute tout ça? C'est les affaires. Tiens. Allô? Vas-y. Merci, poteau. Merci. C'est beaucoup d'argent quand même. Ouais, ça fait beaucoup. Mais... Non, mais après, je retire tout le temps parce que je laisse rien sur les comptes en banque. Donc, c'est pour ça que. Non, mais je regardais, t'es un beau corps. Ouais. Ah, merci beaucoup. Ouais, femme enceinte, franchement, t'as vraiment un beau corps. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Ouais. Bah, franchement, c'était comme je t'ai dit, si tu m'invites à son bord. Tu veux qu'on aille boire un coup carrément, moi, ça me ferait super plaisir. Mais du coup, ton mec, il devait pas venir il y a une heure Bah, je vais lui dire que bah, c'est mort, hein, du coup, enfin, je vais pas te mentir. Après, je suis pas sûr qu'il me trompe, mais moi, j'en suis sûr. Ah ouais, toi, t'es sûr qu'il te trompe, du coup? Ouais. D'accord. Enfin, non, je suis pas sûr, mais tu vois, j'ai un peu des doutes. Ah, t'as du coup sur ta relation? Ouais, donc du coup, bah, je pense que je vais laisser, tu vois. Enfin, de toute façon, je l'aime pas trop. Ah, ouais, d'accord. T'as un enfant avec, mais du coup, tu l'aimes pas trop. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Je préfère les blancs, tu vois, parce que lui, il est noir. Ah, ok. D'accord. Bah, écoute, après, c'est. Je sais pas, c'est bizarre si t'aurais peut-être pas fait d'enfant avec lui, si c'était pas du tout ton style, tu vois. Bah, je vais pas te mentir que. Ouais, c'est pas la première fois que je tombe enceinte. Ah, c'est pas la première fois que tu tombes enceinte? Non, je suis contre comme je t'ai dit, je suis contre l'avortement en fait. Mais j'aime pas les gosses. Ah, ok. C'est bizarre quand même. Après. Ouais, non, après, et pourquoi tu qui m'amuse, tu vois. Et pourquoi tu te protèges pas du coup J'aime pas ça. T'aimes pas ça? Ouais. D'accord. Bon, tu veux peut-être qu'on aille boire un coup, peut-être tous les deux? Bah, carrément, moi je suis. Si du coup ton homme, ça le dérange pas? Ah non, mais c'est pas mon homme, c'était. Je l'appelle mon mari, mais c'est pas mon mari, c'est plan cul. Ah, non, mais je sais pas, ça me fait rire un peu, tu vois, genre... Je te fous de ma gueule. Non, je me fous pas du tout de ta gueule, non. Ah, d'accord, parce que franchement, je me suis dit que t'es une personne très gentille et tout. Ouais, ouais. Et je sais pas, tu te fous de ma gueule, c'est pour ça, non. Non, c'est juste que c'est le contexte un peu qui me fait rire, c'est que tu... Ah ouais, moi aussi, j'aurais rigolé, ouais. Ah, parce que t'es enceinte, tu vois, et c'est ton plan cul, ça paraît un peu bizarre, tu vois, mais bon. Non, mais de toute façon, je pense que je vais le donner à quelqu'un. Non, il faut pas faire ça. Je vais le vendre parce que ça fait de l'argent aussi. Non, mais fais pas ça, c'est... Parce que moi, je le veux pas, je te mens pas, je le veux pas. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est un peu bizarre quand même, ton histoire. C'est bon. Bah, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, après, après c'est ton choix. Hein, c'est ton enfant. Voilà, chacun ses choix. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, tu veux peut-être qu'on aille... Bah, carrément, on peut manger un coup aussi, parce que on va te mentir, j'ai un petit peu faim. T'as un petit peu faim? Ouais. Oui, bah oui, tant qu'à faire, ce qu'on va faire, c'est que je vais... T'as une voiture? Parce qu'on est à papier quand même. Ouais, j'ai une voiture, t'inquiète pas. C'est C'est une quoi? C'est une BMW, c'est une tech. Ah ouais. Mais ouais! Bon, après, c'est une petite voiture, c'est normal. Ah, mais ça fait super plaisir! Hein. Voilà. Tu fais un petit tour voir pour un peu comment. Même si t'es enceinte, tu vois, mais t'es. Ah, t'es pas mal, hein? T'es vraiment pas mal. Pour une femme enceinte, franchement, t'es vraiment jolie. Bah, merci. T'es vraiment jolie. Mais tu sais, en fait, on va faire même encore mieux que ça, tu vois. On va aller boire un coup, tout ça, tu vois. Mais c'est juste un peu pour te montrer un peu le vrai du faux, tu vois. Ouais. Parce que, bon, toi, t'es réellement enceinte, tu vois. Ouais, c'est ça. Toi, t'es réellement enceinte. Mais du coup, tu vois, regarde. Parce que ça, tu vois, ouais. Toi, t'es réellement enceinte. Ouais. Mais ça, c'est réellement des faux billets aussi. Comment ça, en fait, tout ça, tu vois, regarde. Tout ça, là. Tout ça. Ah, tout ça, c'est de la merde, tu vois. Et toi, t'es une putain de grosse michto.